Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Yo Thomas, Sofiane le Geek, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. Aujourd'hui j'avais envie de me faire plaisir, j'avais envie de me faire kiffer, aller jouer le fameux Gogetada du film Fusion, le Gogeta contre Janemba. Franchement c'était un film incroyable, dites-le moi vous aussi dans les commentaires si on est d'accord là-dessus. Voilà, c'était le Gogeta non canon pour le coup, il est quand même 14 étoiles Zenkai 7, l'arbre de compétences est à fond à 1400% comme vous pouvez le constater. Voilà, je l'ai bien entouré quand même, il est dans une très belle team. Et voilà, j'avais envie de me faire kiffer, comme j'ai pu vous le dire. Parce que voilà, l'importance dans Dragon Ball Legends, c'est vrai qu'on a les teams métis, etc., qui sont vraiment très fortes, je les ai, ces personnages. Mais voilà, par moment, j'ai envie de me faire kiffer. On s'en fout du classement, on s'en fout de tout ça. Le but dans un jeu vidéo, c'est d'abord de kiffer ce que vous faites. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça va donner dans cette team. On sait très bien qu'il a une attaque spé qui peut stun. Donc voilà, au cas où pour ceux et celles qui ne savent pas ce que ça veut dire stun, c'est tu peux évanouir l'adversaire, il y a 20% de chance de l'évanouir. Également, il fait vraiment très mal, des strikes, des patates de forain, laisse tomber. Je pense qu'à mon avis, on risque de casser de la bouche. Après, on verra bien, hein, si ça se passe mal dans la vidéo, tant pis, ça se passera mal. Il a également un main, quand tu active sa capacité principale, il va récupérer 20% de points de vie, donc c'est plutôt correct quand même, parce que c'est une carte qui date, et également 20% de ki, puis il va augmenter les dégâts de 30%, donc voilà, il y a des choses quand même très intéressantes, voyons voir ce que ça donne, max de pouces bleus sur cette vidéo, yeah. Ok, belle team divin pour cette première game, avec quand même un titre top 1000, alors je vais partir avec Badak, Gogeta et Broly. On commence direct avec un gros joueur, hein. Il a un titre et tout ça, il a une belle team en plus, des beaux équipements. Ok, Goku Blue, Migate et Gogeta. Putain, Migate 8 étoiles, le Gogeta 6 étoiles, bah du coup, let's go, hein, le Gogeta DBZ contre le Gogeta DBS. Allez, let's go. Parfait ça. Ish. Voilà, là-dessus, on va partir sur l'aspect direct. Il encaisse, hein. Le Goku Blue Zenkai, franchement, il encaisse. Voilà, on a bien tempo là-dessus. Ok. Donc là, on va essayer de bien jouer. Attention à Migate avec sa double jauge, voilà. Let's go. Broly aussi, hein, c'est la machine. Ok, double esquive, forcément. Bien wedge, bien wedge. Ok. Ok. Très bien. Il va pouvoir esquive. Eh ouais. Eh ouais. Franchement, très bien joué de sa part. On voit que c'est pas un manchot. Le mec en face, il joue vraiment très bien. Allez. On est en 2v3, c'est pas terminé. Let's go. Gogetada. Ish. Ok. Voilà. Allez, encore. Le Rising Rush. Parfait, ça. Parfait, parfait. Alors, me le contre pas. On peut bien revenir dans cette game. Hein. On n'a pas dit notre dernier mot. Ça passe. Ok. Alors, attention. Faut pas faire le foufou. On peut revenir. On peut revenir, les gars. Let's go. La verte. Très bien. Ok. Ah, il fait mal là le Migate. Hein. Il fait mal là le Migate. Ok. Ok. Ish. Voilà. Allez. Parfait ça. On va récupérer l'esquive du coup en faisant l'ultime. Et on est pas mal. On est vraiment pas mal. Comme ça, là, voilà, j'ai récupéré mon esquive. Ça commence à laguer, forcément. Bizarrement, ça commence à laguer à la fin. Bon. On ne dira rien. On ne dira rien. Tiens, regarde, vas-y. Gogeta, il est arrivé. Ah, tu veux rester fond de map? Bam! Allez, dodo. Non, mais... Ce qu'on vient de voir là en fin de game, il voulait rester fond de map avec le Migate. Gogeta il a dit, ah tu veux rester fond de map, c'est comme ça. Bam, allez, dodo, cuisine. Incroyable. Belle team famille de Goku en face de nous. Bah, moi je vais prendre les trois mêmes, voilà.
On va voir un petit peu ce que ça va donner. Je suis encore choqué du Gogeta, ce qu'il a collé là au Mugaté, vraiment incroyable. Voyons voir s'il fait encore des étincelles dans ce combat, on verra bien. En tout cas, voilà, ça m'a fait kiffer. Et je pense que, comme j'ai pu vous le dire, et que je vous l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, le but, c'est de prendre du plaisir, de kiffer. Voilà, c'est le but. Ok, il a pris du coup le Goku Namek, Goku Zenkai 3, le Goten LF, également Zenkai. Bon, et ben let's go les amis, voyons voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Ok. Très bien. Parfait, la cover qui est passée. Ish. Dommage, j'ai pas une spé. Ouf, ouh, j'ai eu mal. Ouh, j'ai eu mal. C'est normal, hein, c'était un contre-type. Ah, Gogeta, il tank, hein. Eh, il tank, hein. Il tank, le frérot. Ok. Voilà, ça, c'est bon. Allez. Ish. Ok, il a utilisé la TP maintenant, c'est parfait. Voilà, parfait ça. Let's go. Let's go. Ok. Et là, c'est bon. Parfait. Il met le Goten. Ça me va. Alors, j'espère que ça va bien passer. Parce que là, si ça passe, on est bien. Et ça passe pas. Et ça passe pas. J'allais dire, on est bien si ça passe, mais non. Forcément, toujours plus dans la difficulté, nous. Je peux pas esquiver. Et du coup, c'est lui qui est Rising Rush. Non, mais franchement. Allez, à mon tour maintenant de le contrer. Ça serait bien qu'on le contre. Franchement, ça me saoule. C'est horrible, c'est frustrant de se faire contrer le Rising Rush. Moi, je contre pas. Moi, je contre pas. Donc, toujours plus dans la difficulté pour moi. J'en ai marre. C'est pas grave. On va l'envoyer à la cuisine, ou pas. Ok, regarde Broly ce qu'il va te faire. Regarde bien. Ish. Ish. Ramasse toi aussi. Ish. Pum. Let's go. Allez, allez. Oh, ça lag là. Allez, let's go. Broly là, il a fait du taf là. Broly là, il a fait du taf. Franchement, il a fait du taf. C'est cool. Il meurt pas, hein. Ok, j'ai plus de ki, j'ai le seum. Carte verte, ça m'arrange encore. Bon, il attend fond de map. Il a une spé. Il m'a fait un perfect dodge. Ok, là il risque de me faire mal, hein. Il risque de me faire mal. Bon, je laisse le Broly, parce que le but de la vidéo, c'est de voir ce que Gogeta peut faire. C'est le but, tu vois. Donc, tant pis pour Broly. KO. Gogeta, on compte sur toi, frère. Gogeta, on compte sur toi. Il y a trois mecs. Allez. Ich. Moins un. Moins un, Gogetada. Ah, j'ai récupéré des PV. Allez. Allez. Moins 2. Moins 2, Gogetada. Moins 2. Concentre-toi. Ok. Il esquive. Résiste. Résiste. Résiste, Gogeta. Boum. Boum. À la cuisine. 1v3 avec Gogeta, les gars. 1v3 avec Gogeta. C'est ça qu'on veut voir. Là, tu vois, là, je prends du plaisir, quand même. Franchement, quand tu gagnes ce genre de game, tu prends du plaisir de ouf. Team Saiyan en face de moi, bah, je vais repartir avec les trois mêmes, hein. Voilà. On va partir comme ça, encore une fois. Et franchement, je suis choqué. Vraiment, ça me donne envie de continuer à rejouer avec Gogeta Zenkai beaucoup plus souvent. Et
Pareil, si derrière, vous l'avez, vous, dans votre box, que vous l'avez Zenkai, bien évidemment, hein, bah allez-y, testez-le. Testez-le et dites-moi-en des nouvelles. Parce que franchement, incroyable hein, ce que j'ai pu voir. Et waouh, waouh, Gogeta, vraiment respecté. Ça faisait un moment que je n'avais pas joué. Et bah du coup, ça fait kiffer. Hein. Enfin, du moins, ça fait un moment que j'ai pas tout misé sur lui en combat, voilà, dans une team. Franchement, ça fait vraiment, vraiment plaisir de le jouer. Allez, let's go. Ok. Let's go. Ça lag un peu. Ça va pas stun, dommage. Ish. Ok. Très bien. Très bien, monsieur. Ça lag. Ça lag. Ça lag. J'essaie de tackle, ça lag. Ok. Ok. Ouh, les patates de Gogeta, là. Ouf. Incroyable. Les dégâts qui collent, c'est quand même incroyable. Très bien, t'as fait ta TP. Ça me va pour le Rising Rush après. Par contre, ça lag un peu, hein. Ça lag un peu. Oh là 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 là. Ça lagouille. Il n'a pas fait la strike, dommage. Oh, franchement, c'est pas très cool de jouer de cette manière-là. Hein. Oh là là. J'ai voulu mettre le badak, j'ai pas pu. Ça lag de ouf. Ça lag de ouf, mais bon. On n'a pas le choix, on doit faire avec, hein. Je suis même pas sûr que ça vienne du mec ou quoi, ça se trouve c'est tout simplement du jeu. Mais bon. Ok. Ok. Pim. Cuisine. Allez. Ah. Ah. Je m'attendais pas à ce qu'il Rising Rush comme ça direct. Tu me contres ou pas? Enfin, tu me contres. Je le contre ou pas? J'ai pas pu contrer. J'ai pas pu contrer. Tellement l'habitude de me faire contrer que là, j'ai pas pu contrer. Donc là, il a ramené une spé. Non, ça lag. Non, la vérité, ça lag. C'est abusé. Abusé. Uch! Oh, la patate de Badak. Oh, la patate de Gogeta, les frères! Oh là là! Oh! Non mais, non mais... Oh là là! C'est... Tu me contres? Tu me contres? Tu me contres? Ça passe, bon. Non mais, est-ce que vous avez vu comme moi, là, les dégâts, là? Les dégâts de Gogeta, tout simplement, incroyable. Vraiment, tout simplement, incroyable. Je suis choqué. Vraiment. Les dégâts, c'est un truc de fou. Je savais qu'il faisait des dégâts et tout, mais je m'en souvenais plus à ce point-là, quoi. Mais c'est ouf. C'est ouf. Vraiment, c'est un truc de ouf. C'est Gogeta. Voilà. Gogeta, les frères. Incroyable. Ok, Team Future cette fois-ci. Alors attention, il y a quand même un Gatai 6 étoiles. Et il y a un Black Goku également. On va repartir avec les trois mêmes. Alors, le Black Goku, faut faire gaffe quand même parce que du coup, je pars en double bleu. Et le Black Goku, il est vraiment très, très fort. Ça fait un moment également que je ne l'ai pas rejoué. Et d'ailleurs, peut-être que je le rejouerai prochainement. Mais c'est vrai que pour moi, c'est limite un Zenkai déguisé une fois qu'il est transfo en rosé. Incroyable. Franchement, il a des stats de ouf. Et ça me donnerait bien envie de le rejouer. Dites-moi vous aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. On rejoue Black Goku rosé ou pas? On verra bien. Bon, allez, let's go. On va se concentrer. Ah bah là, du coup, il ramasse. Parfait. Voilà. Voilà.
Et voilà. Bon, là, on a bien amoché. Hein. Ah, là, on a bien amoché. Le Gatai, très, très puissant. Par contre, en termes de défense, c'est pas ouf, quoi. J'ai voulu patienter le pas de côté, mais ça l'a pas fait. Alors là, attention. Là, faut pas faire le fou, là. Ok, ça passe. Oh, Broly. Oh, lolo, 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 lolo. Ouh. Ouh. Je me pose pas de questions. Il met Gatai s'il veut. C'est Broly, là, ça a été... Waouh. Waouh, c'était quelque chose, hein. Non, bon bah voilà, il m'a contré, forcément, du coup il se soigne, c'est ouf. Et voilà, son personnage qui devait être mort, continue du coup. C'est un truc de ouf, franchement ça me saoule parce que là j'avais tout bien fait là. Bah ouais, mais oh là là. Regardez comment je me fais endommager par un personnage qui devait mourir sur le Rising Rush. C'est ouf. Et du coup, mon Broly meurt. Voilà. Ah, purée. Allez. Non. Oh là là, bon, là, c'est mort. Là, il va m'enchaîner, là, avec son rosé. Il va avoir Rising Rush et tout. Bah, voilà. Bon, bah là, à moins que je le contre. Allez. Si je le contre, je suis bien. Si je le contre, on... Bon, voilà. Voilà, une part d'aléatoire dans un jeu versus. Badak. 1v3 Badak. 1v3 Badak ou pas? Concentre-toi. Allez. On va se concentrer. Ich, là, je ramasse. Ok. Ok. Bah t'as déjà esquive. Ah ouais, mais purée. Ok. Let's go. Parfait. Voilà, comme ça on récupère l'esquive. À la cuisine, moins un. Est-ce qu'on peut encore refaire une remontada de ouf? Mais cette fois-ci avec Badaku. Badaku. Let's go. Ich. Ich. Allez, allez. 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 Oh là là, non, il est... Il tombe pas le Black. Il tombe pas, j'ai pas de deuxième Rising Rush. J'ai pas de deuxième Rising Rush, la vérité. J'ai pas dit mon dernier mot quand même. J'ai pas dit mon dernier mot quand même. J'ai pas dit mon dernier mot quand même. J'ai pas dit mon dernier mot. Let's go. Let's go. Ok. Mais pourquoi j'ai pas de deuxième Rising Rush? La vérité. Faut pas que je me rate. Non. Oh, c'est mort. Ah, oh, c'est mort. Ah, oh, c'est mort. Purée. Purée. Oh là là. Non. Non. Franchement les gars, j'ai essayé de tout faire. Je pense que là j'ai super bien joué à la fin de la game. Mais malheureusement, bah voilà, Black Goku Rosé, les dégâts sont insane. Et il m'avait contré le Rising Rush. Donc voilà, j'ai pas réussi à avoir mon deuxième Rising Rush. Attends. Bon bah la défaite, dommage parce que franchement j'avais bien joué je trouve. Team GT en face de nous, et bah écoutez, nous on va reprendre les trois mêmes. Et puis bah on va voir un petit peu ce que ça va donner. En tout cas, mine de rien, je prends quand même beaucoup de plaisir à avoir ce duo de Badak Broly combiné avec le Gogeta. Ça fait un trio vraiment très intéressant. Et voilà, je prends du plaisir. Et je pense que c'est le but, voilà, de prendre du plaisir sur Dragon Ball Legends. Ça change un petit peu, toujours prendre Métis, etc. Alors, du coup, le Vegeta Zenkai, forcément. Du coup, le Goku SSJ4 LF type jaune. Franchement, il me fait pas peur. Vraiment, il me fait pas peur. Faut faire attention au Gogeta 4, par contre. En plus, il a des covers. Allez, ça passe. On va tenter la break cover pour le Gogeta. Ah, d'accord. Ah, bah, ok. Ah, bien joué à lui. Bien joué à lui.
Ok, Gogeta 4 contre Gogeta DBZ. Ok. Oh la vache, oh les dégâts. Oh là là, mais deux strikes, regardez. Oh non, mais c'est, oh, mais c'est incroyable là. Non, c'est incroyable. Oh là 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 là. Bon voilà, tu peux taper, hein, contre-type. Goku 4, LF. Ok, j'aimerais bien lui mettre le Gogeta face au Goku 4. Faut que j'arrive à lui caler ça là. Ok, ça, ça passe. Ok, parfait. Hop. Parfait. Cuisine. Non mais Gogeta, c'est un truc de fou. Ok. Goku 4. Ah, il va esquive. Ah, j'ai pas pu Rising Rush. Bon, là, c'est fini pour toi, frérot. Non, non, je veux voir Gogeta. Voilà, je veux voir Gogeta sur toi. Oh, mais on a failli one shot en une strike. En une strike, les frérots. Alors, je veux bien que ce soit du contre-type, tout ça, le Goku 4, mais en une strike, les frères, on a failli one shot. Incroyable. Non, mais vraiment, beaucoup trop puissant. Extraordinairement puissant. Franchement, là, j'ai pris du plaisir dans cette vidéo avec ce Gogeta. Ça change, tu vois. Ça faisait un moment que je l'avais pas joué. Alors, certes, voilà, il est maxé, hein. Zenkai 7, 14 étoiles, arbre de compétence à 1400%. Mais voilà, derrière, bah là, j'ai pris du plaisir. Et je pense que là, on l'a mis en valeur quand même dans la vidéo. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Max de pouces bleus, partagez également cette vidéo. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour recevoir les notifications. Et moi, je vous dis à très vite. Sans oublier que la passion passe après les priorités. Ciao! Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super! Non, 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 non! Yeah!